Aujourd'hui, c'est tout le monde a vu qu'il y avait quand même un problème dans cette organisation. Ah bien, c'est Jules. Véran, t'es qu'un reptile. Macron à l'échafaud. Oh putain. Oh putain. Qui c'est qui démarre? C'est bon. C'est nous. Combien de gens avec les mains arrachés, combien de gens prisonniers à tort? Il n'y avait pas des vidéos pour les protéger.
Et dès qu'on voulait fournir des vidéos, eh ben, on nous laissait pas les produire. Il y avait toujours une panne de quelque chose. Donc à un moment donné, ça suffit. Ils sont plus crédibles et la vérité a fait surface. Aujourd'hui, c'est malheureusement une grande victoire que aujourd'hui les gens puissent voir la vérité, la réalité de ce qui se passe dans ce pays. Ils peuvent plus nier. Donc aujourd'hui, ils sont obligés que d'avouer. La vérité a fait toujours surface, vous savez. Nous, depuis 2 ans, on se bat, on essaye de faire valoir la vérité. Combien de fois on a témoigné en disant ce qui se passait, la répression qu'il pouvait y avoir. Mais on ne nous entendait pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas assermenté. Parce que la parole citoyenne n'allait pas prise en compte. Et bien, c'est exactement ça. Aujourd'hui, le gouvernement, il tremble. Aujourd'hui, il a peur. Alors, je ne vous parle même pas de cette loi qui a vraiment du plomb dans l'aile. Franchement, aujourd'hui, qui peut nier que la vidéo ou les films des actions policières ou de bavures policières ne sont pas utiles? Qui peut le nier? Donc c'est un échec de sa politique, c'est un échec vis-à-vis d'eux, parce qu'ils ont fait que mentir et nier l'évidence pendant 2 ans. Et donc aujourd'hui, ça fait plaisir de voir que la population, elle est réactive et elle est dans la rue. Il y a toutes les corporations, il y a tous les collectifs, il y a des associations qui dénoncent ce racisme qui existe, cette violence qui existe. Et aujourd'hui, la vidéo, c'est juste par l'image qu'elle est sortie. La liberté d'expression, l'atteinte à nos libertés, l'atteinte à montrer, à communiquer, à informer, que vous êtes au quotidien, depuis 2 ans dans la rue pour essayer de faire valoir. Aujourd'hui, ça prend tout son sens. Voilà. Donc aujourd'hui, on se devait d'être devant et les gens sont contents. Maintenant, attention, rien n'est fini. On attend que les têtes tombent pour moi. Le ministre de l'Intérieur, Darmanin, il doit démissionner. Il doit y avoir des sanctions. Alors, je ne vous parle pas de Didier Lallement. Il devrait se retrouver même en prison. Et M. Macron, il ne peut pas faire comme s'il n'était pas responsable. Parce qu'il aurait pu arrêter tout ça. Mais au lieu de ça, avec leur déni de réalité, ils ont nommé des gens pour continuer la même politique. C'est une politique de la peur. Et ils votent des lois qui ne répondent pas à l'attente de l'ensemble des citoyens, l'ensemble des Français. Et c'est ce qu'on dénonce depuis 2 ans. On n'est pas dans la rue par plaisir. Croyez-moi, on a d'autres préoccupations, on a d'autres obligations. Mais pourtant, celui qui tait et qui ne montre pas l'injustice, il est complice avec lui. C'est pour ça qu'on est dans la rue. Et je vous remercie d'avoir été là pendant 2 ans. On est parti. Super poteau. Tu vas bien? Nous sommes les gilets jaunes et on ne lâchera rien.